Dominique Pilon, bonjour. Bonjour. Est-ce votre première fois dans les Vosges ? Non, je crois que c'est la troisième. Oui, la troisième, je pense. Quel est votre sentiment général sur ce festival ? Ah ben, moi j'aime beaucoup venir ici. Parce que c'est très cosy, très familial, très intime, avec les gens de Gérardmer. Voilà. Et à l'école, vous aimiez déjà interpréter plein de personnages ? À l'école ? Non, j'étais pas un... J'ai toujours été quelqu'un d'assez bon élève et de très... ça me trottait dans la tête parce que j'avais eu une petite expérience théâtrale lorsque j'étais en cinquième. Mais ça me paraissait un peu quelque chose d'inatteignable. Enfin, pour moi, c'était un truc... acteur, c'était un truc qui se faisait un peu par... c'est comme si on avait gagné au loto, quoi. Et à l'école, votre matière préférée, c'était quoi ? Ma matière préférée, c'était... quand j'étais petit, c'était la récitation. Je ne sais plus si on fait ça maintenant encore. Ça ne doit pas se faire beaucoup, n'est-ce pas ? C'est vrai que petit, j'aimais lire, j'ai toujours aimé lire et me fondre dans une histoire, oublier le monde extérieur et rentrer à l'intérieur d'une histoire. J'ai beaucoup lu Jules Verne quand j'étais petit, des choses comme ça, et ça me faisait vraiment... Puis après, des œuvres de littérature. Je pense qu'on peut aussi, s'abîmer dans les profondeurs de Proust ou de grands auteurs plus classiques. Et vous vous souvenez de votre première rencontre avec Jean-Pierre Jeunet qui est venu sur le festival ? Oui, avec Jean-Pierre, on est arrivé en même temps à peu près à Paris, lui arrivé de Nancy. Et... nous sommes de Nancy. Voilà. Et moi de ma petite province poitevine. Et on s'est rencontrés, je crois qu'il m'a rencontré quand Diva est sorti, le film de Jean-Jacques Benex. Il a vu Diva et puis il était en train d'écrire avec Marc Caro et il cherchait des acteurs. Ils arrivaient à Paris, ils ne connaissaient pas, ils faisaient leur casting eux-mêmes, donc ils voulaient repérer des acteurs, des gueules et voilà. Et moi, il m'avait repéré et puis on s'est vu assez vite. Je me souviens être allé chez lui, là, on a parlé. Et puis 10 ans après, on a fait Délicatessen, 10 ans après notre première rencontre. Pour revenir au festival, est-ce que vous avez, vous, des critères personnels pour départager tous les films qui sont en compétition ? Des critères personnels, je ne sais pas. Non, je ne suis pas. Je suis assez ouvert à tout. Je sais que moi, j'ai tendance à privilégier les acteurs, j'ai tendance à privilégier plus l'histoire elle-même, si on veut juger le genre fantastique. Je suis pas grand amateur de gore, mais ça dépend. Ça peut être aussi dans l'humour et dans le... voilà. Mais je préfère, moi, mes grands films fantastiques, par exemple, c'est Polanski, c'est Rosemary's Baby. Pour moi, c'est un film extraordinairement fantastique. C'est Shining, c'est des films comme ça. Revenir à la Cité des enfants perdus de Jean-Pierre Jeunet, la ligne conductrice était rêver, ça permet de rester jeune. Si vous êtes d'accord ? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Eh oui, au moment où on rêve plus, la vie devient triste. Ben oui, bien sûr. Moi, je fais ce métier pour rêver, voilà. Et pour faire rêver, si je peux. Pour sortir les gens de leur quotidien. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est d'être surpris par ce qu'on va me proposer. Là, par exemple, je suis ravi parce que j'ai été choisi pour tourner dans une adaptation en motion control. Vous savez ce que c'est, je suppose, que le motion control, une adaptation de Cro-Blanc. Parce que ça va, là, c'est vraiment l'anti-Disney, quoi. C'est le
gros blanc, cette histoire de chien, du chien vu de l'intérieur de sa vie à lui, c'est extraordinaire. Et donc dedans, je vais faire le méchant Beauty Smith. Le très méchant. Donc l'effet de surprise, ça va être un peu le critère peut-être qu'on va retenir pour départager les films en compétition cette année. Peut-être, je ne sais pas du tout. Et puis je respecterai bien sûr l'avis des membres de mon jury, et aussi Monsieur Lelouch. Je suis très heureux de retrouver, permettez-moi de lui faire. Mais je suis arrivé hier soir. Ah, c'est pour ça qu'on t'a pas vu. Oui, oui. Je suis très heureux de te voir. Hop. Pardon. Il n'y a pas de souci. Monsieur Lelouch, avec qui j'ai fait un film voilà, qui s'appelle Roman de Gare et que j'ai adoré faire. Très bien. Un petit mot de conclusion. Est-ce que vous pourriez regarder la caméra et adresser un petit message à tous les organisateurs, tous les bénévoles qui travaillent sur ce festival? Eh bien, à tous, organisateurs, bénévoles et gens de Gérardmer, je vous adresse un grand merci parce que c'est toujours un plaisir pour moi de venir ici. Et chaque fois que je suis invité, je considère ça comme un bel et grand honneur. Merci à vous tous.